Voilà, merci et bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs fidèles, le magazine Actu Commenté. Merci pour votre sympathique attention et votre accompagnement. Chaque jour qui passe, je reçois des appels, des messages et j'ai par moments le temps d'échanger avec certains d'entre vous et cela me fait énormément plaisir. Lelo Isusu na tongo. Zongi, la responsabilité de la citoyenne, nous avons besoin. Il y a quoi que ce soit, ma camo est à l'imboka. Pour que ça bino ba information, na le lengue pe na format au yokinwa. Pe congolais, nous sommes ici à Zalie, Zalaza, Libanda, Mboka. A quoi qu'il comprendre, pe tout analyser ensemble, la bino tout ce que bino bozako kanisana bandako. Biso, tous allez commis ça la devoir, ya kozala ba porte-voix na bino pour ba kondi bazali kutambo sa ekolo, ba ye ba boni boni. Bitso na bino tozali ko kanisa pona ma mako ya lobi lelo to ko rappeler na bino ete ezali le 24 janvier 2023 il y a 4 ans exactement soit le 24 janvier 2019 Félix Antoine Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange bazala ki bongo na Palais de la Nation en direct na télévision devant le monde entier pour na kosala oto bengi passation pacifique ya pouvoir élection et salamaki Tshisekedi a gagné pe a zwaki ba symbole ya pouvoir pe a bandaki mosala le 24 janvier 2019 lelo ça fait 4 ans. Comment a évolué la démocratie na mboka na biso nini et salami en termes d'évolution toko meka rebi bien toko meka kosolo la yango tout à l'heure. Na magazine aussi, toko kende na Kasai. Pour bien te, depuis Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir, makambo maïke za ko salama, Congolais na Congolais, aza na témoignage, esika ye afanda, kote ye a bikaka, nde aza kapawa koloba, awe pa na biso tala likambo e salami. Ba ope baza koloka na mose wazawa, soke salami kuna, e pa na biso ape salami. C'est après avoir collecté bah, différentes informations dans bah, différents coins du pays, qu'on se rendre compte réellement que nous avons fait des avancées, on a fait un bond vers un avenir radieux. En termes d'infrastructure, il y a quelques écoles, puis il y a l'hôpital Moko de référence, il y a un peu qui avant, il y a un peu comme il y a image de janvier 2023. Merci, Mingi, la bande de FPI. Pour la moussa la baza ko sala DG wa kotisika na baba précédent qui est coup de chapeau. DGI. Papa Mwakadi, comme vous avez. DG Mwakadi. Mukadi. Félicitations, pe bravo. Na moussa lo zali ko sala kasiba brebi galeuse. Na kati ya DGI bazali ko continue ko sape. Ba effort na yo. O zali ko sala pona ko soutenir ekolo. Maximisation des recettes, dépassement de l'assignation budgétaire, coup de chapeau, kasi. Bato baza ko bela malade ya maba, lèpre. Baza na kati ya DGI toko sola. Yango tout à l'heure, poto ebisa na yo, papa Mukadi. Fongole la bango misu, surtout les gens qui vont sur terrain là. Fongole la bango misu. Et puis, toko lo balikambo ya EPST, l'enseignement bo ebia ite gratuité de l'éducation de base. Il y a un de toko banda d'ailleurs émission yo comme tout ça tient à les ans de bon conducteur et ça bon. Alors premier élément la biso alelo na lingi total ngai na bino image oyo na cabinet ya ministre ya enseignement primaire secondaire et technique Tony Mwa Bakazadi awa asala ki lancement ya répertoire de référence des établissements scolaires publics mécanisés. Na lingito landa ba explication oya professeur Tony Mwaba. Si malango tozong apoto sala actu commenté. Regardez. Avec le service de contrôle et paye des enseignants, SECOP, il y a une application qui vient d'être créée que je vais lancer officiellement aujourd'hui pour sa mise en ligne. C'est le répertoire des références des établissements scolaires publics mécanisés.
Donc, je précise que c'est un répertoire des établissements scolaires publics. Nous aurons des répertoires. Je crois que prochainement, on verra un quatrième onglet ici. Ça sera un répertoire des références des établissements scolaires privés. Parce que dans notre pays, jusqu'au jour où le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, jusqu'au jour où nous avons été placés aussi à la tête de ce ministère, il n'existait pas encore un répertoire des établissements scolaires privés. Au point où, aujourd'hui, on n'a pas une idée exacte sur le nombre d'écoles privées qui opèrent en République démocratique du Congo. Au niveau maternel, primaire et secondaire, on n'en a pas l'idée. Mais c'est justement à la fin de ce mois que nous lancerons le deuxième répertoire des établissements scolaires privés. On saura combien d'écoles privées opèrent chez nous, sur toute l'étendue du territoire, au niveau maternel, primaire et secondaire, pour permettre maintenant le suivi. Parce que la création d'une école privée doit remplir un certain nombre de conditions, et même le contrôle du fonctionnement des écoles privées doit être également permanent. Mais pour aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la mise en ligne de l'application qui met en place le répertoire des établissements scolaires publics mécanisés. Même sur ce point, vous savez que jusqu'au même au jour où je suis arrivé à la tête du ministère, placé par le président de la République, il y avait encore un problème sérieux, la problématique des faux arrêtés. Il y a des faux arrêtés qui circulent dans notre pays, à telle enseigne que quand les services de SECOP lancent les missions sur le terrain pour voir comment on peut identifier les écoles en vue de leur mécanisation, il y a des écoles que nous mettons de côté, on ne sait pas les mécaniser, on ne sait pas les prendre en charge parce que on découvre que ce sont des écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Nous pourrions même éventuellement voir avec les services et les experts s'il faut en même temps créer peut-être un fichier juste des établissements scolaires publics qui ont été identifiés. Parce que mieux que constitué régulièrement, mais non encore mécanisé. Donc on verra, mais à ce stade, c'est d'abord les établissements scolaires publics mécanisés qui sont déjà pris en charge, dont les enseignants sont payés par l'État. Nous donnons les frais de fonctionnement, et donc ça c'est surtout pour les primaires, mais les maternelles et les secondaires également, lorsqu'ils sont mécanisés, ils vont figurer ici. Pour les autres, en province, vous voyez les proverbes. Au niveau ici national, également, il y a les provinciaux qui vont remonter les informations au secrétariat général pour examiner les cas des autres écoles qui ne seront pas ici. Il peut y avoir des erreurs, bien entendu, pour qu'en septembre, nous fassions la mise à jour. On intègre les écoles qui ne sont pas encore. Depuis l'indépendance, ma belge avant ma kende batike la gibi sur un système éducatif qui continue jusqu'aujourd'hui à être opérationnel. Mais les innovations pour être à la page, pour être au top, il y a la nouvelle technologie, nous oblige, nous, de pouvoir nous adapter. Et c'est ce que fait le ministre Tony Mwaba. Depuis qu'il est arrivé à la tête de ce ministère, placé par le président de la République, oui, bien été. Motoso qui m'a nommé et la question est allée dépositaire, il y a confiance. Il y a moto à Signaki. Donc, Motonio soit un membre du gouvernement, Azali dépositaire. Il y a confiance, il y a Mokondi Mboka. Pambate, et Sengelin Layo, ou implémenté, politique top et vision. Il y a président de la République, dans le secteur, dans le portefeuille, il y a confié. Donc, Awa. Tony Mwaba, a outi qu'on lancé, professeur Tony Mwaba, a outi qu'on lancé répertoire de référence des établissements scolaires publics mécanisés. Et là, qu'est-ce que c'est? Bah, école publique, misousso et sika totinda kabana, bana bazako kende, bana bazo tanga, mais officiellement l'État est mis bangote. Et là, qu'est-ce que c'est mécanisé? Le fait que baza mécanisé, conséquence, tango baza peut budgétiser. Okoko kanambo kamoko ba enseigner bazako lela. Biso to sali 2 ans to futa makate te papa.
L'État y est bibinoté. Yango, professeur Tony Mwaba, pour la qu'on permettre fluidité et gestion azana tableau de bord moko clair. Il y a sous secteur naye ndé omoni a outi ko lancer fichier oyo il y a répertoire de référence des établissements scolaires mécanisés. Mais quand si soki boko ti a boko koute za na trois rubriques, bozali na possibilité. Il y a ko vérifier non seulement ba école mais aussi non seulement répertoire mais aussi boko ki ko consulter fichier paye. Enseignant nini na Congo, asala kana kwen nini ya mboka afuta maka. Bokoki ko consulter même fichier d'identification ya ba élève. Bana nyoso batanga kana Congo, âge, école, niveau, option choisie. Bango nyoso bazana kati ya répertoire ba bengi fichier ya identification ba élève. Ezali parmi ba innovation oyo ministre Tony Mwaba a apporté. Kasi. Bato mususu babandi ko déjà ko lela coup de fil là depuis lobby. On a ina vérifier école ya bana na ngai ezate na kosuka wapi te. Ba lobby soki école na bino ezalité na répertoire oyo esengeli bino ba Kinshasa bo approcher ba service ya ministère. Bato bazala ba province esengeli na bino bo approcher ba provède. Ba provède ba ko remonter information kino na secrétariat général na Kinshasa. Pour battre la casse, il y a une problématique. Il y avait école et belles allées qui fonctionnaient soit avec des faux arrêtés, soit des écoles qui fonctionnent sans aucun document. Et pour ça, l'école, on a bien approché le service et le ministère. Il y a EPST pour régler les cambouis. Donc, à côté de la gratuité de l'éducation de base, parce que comment la gratuité, les akarabana, les tangi, les foutsite, les enseignants, les prises en charge, bah, frais de fonctionnement est inamité. À côté de la gratuité, il y a tout l'environnement, il y a formation, il y a bana. Oyo esengeli, et soit contenu, et s'adapter à la nouvelle technologie, pour qu'on permette, biso ba parents, de n'importe où, et si koko ki kozala, au procédé na ba vérification, koye ba, ou moni ba na msou ba kamoto, ma kaso, komona mwana, na début ane, boyo, kan sara mwana tanga ra, na école X, zoka mwana mwana, ke kuna zwa kite, accueilli aux inscriptions à l'école Moussousou. Yo parents sont capables, grâce à un fichier, oyo, notamment il y a identification des élèves, oyo ba mwana nangai, atanga kawapi ane oyo, azali na classe nini, pe na école nini, na province nini. Aussi, awa tokokuta kaka non seulement répertoire, mais tokokuta pe na ba bureau gestionnaire, il y a ba école pe ba information, yon sur na site oyo, pe na application oyo ezali sécurisé. Kasi avant la sili sa dossier ya éducation. Papa Tony Mwaba, papa, pèse en la vidéo. Monsieur le ministre Tony Mwaba, professeur. Nazali ko la moussayo na tonga oyo, ofongo la misu na ba école privée. Ba changer système ya ko bengana bana, ba école privée. Mikolo yo. Nazali ko senga na yo, monsieur le ministre. Tango yo kaka periodo ba komi ko senga Minerval, na ba école privée. Na senga non, monsieur le ministre. Salade descente, surprise. Dans certaines écoles privées, dans Kinshasa, va changer technique. Il y a combien de bana? Va comme, ce qui moi n'as à la cana huitième, a foutu Minerval terre. Va rétrograder dans troisième primaire. Zo si quoi dans troisième primaire, bah zotanga. Il y a yamoura huitième à fin d'ina bango. Wana ba bomi moi la mututé. Et ben on a échangé. Ils allaient sous soutenir l'enfant a été chassé pour faute de paiement. Et comme moi, dans la sixième, je suis passé la journée dans la huitième. Je suis prof à tangi ça et ça suis leke kakaboy. Je suis comprendre de l'autre côté. Donc, monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez secteur privé. Vous avez promis que le répertoire est le bima. Vous avez dit que vous avez mis la technique na bango ya ko rétrograder bana pendant toute une journée. Ce so qui va parler de Fouti Minerval, vous avez ko déranger psychologie. Il y a bana. Peut qu'on détruire certaines familles. Tout le monde dit que le message de Nabisso est commis. Dans le monde, il y a un Kasaï. Il y a Kasaï. Puis il y a un Kasaï. Le lot sur la liste de l'alternance. Ça fait 4 ans que Félix Antoine Tshisekedi a dit qu'il y a un Kasaï. Il y a un Joseph Kabila Kabange. Arbitre na bango la kati, peuple.
peuple wa lobaki papa Kabila merci na o salaki ozalaki kaka na mabete ozalaki pe na bakote ya malamu kasi biso peuple to décider to confier destin na biso na moto mosusu cérémonie ngwe ezalaki le 24 janvier kasi depuis Azumboka depuis Fachi Azumboka nalinga kito bandako explorer petit à petit les quelques réalisations et salami awa lelo nangina s'appuyer vraiment sur le FPI fonds de promotion de l'industrie DG azali ko diriger sikoyo a hérité situation moko très positive il y a ma prédécesseur né je n'aurais pas honte de citer un homme comme Patrice Kitebi. Je peux vous rassurer que la République a encore besoin de lui. Quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, nous avons besoin de vrais managers pour nos établissements publics et puis pour notre entreprise. Il y a portefeuille, il y a l'État. Awa, tozalina, complexe scolaire du 4 janvier. Na Kasai. Bota l'école, complexe scolaire du 4 janvier. Tala nenge zala ki tango chiseke de azwa ki pouvoir. Oye zali première visite d'inspection. Il y a délégation ou ta ki Kinshasa ba ya kota la. Dans quelles conditions ba na bazali kota nga kelasi. Alors que Mokonzi Mboka décida ki a appliqué gratuité comme prévu dans la constitution. Mais tala dans quelles conditions ba na bazala ki. Oye zali héritage ya belge. Atike la biso. Bota l'école oyo. A ezali visite guidée. Tala plafond. Tala ba condition ba na bazala ki kotanga. Tala esika administration ya école. Ezala ki ko travail wala ba archive. Soki yo zonga yo kwa attestation de fréquentation esika yo tanga wa. Trace ta mousse ko zala lisu soute. Kasi après avoir vu toute cette situation. A to saka na école complet scolaire du 4 janvier. Grâce au FPI, au tobeteli lusus maboko lelo, FPI a tié mayele na kati tale sika to komi. Bomonye sika to uti, botala lelo complexe scolaire du 4 janvier denge e komi. Awa tozali na janvier 2023. Bana bazali kotanga sikoyo na ba condition oyo. Awa tozali na ma campagne été. Awa tozali na gombete pemeni ya mozole ya muzel Laurent Désiré Kabila te. Awa tozali na Kasai. Grâce au FPI, grâce aux instructions du chef de l'État, bota la nenge complexe scolaire du 4 janvier est komi. Tala baban, tala qualité sikaba na bazali kotanga. Deuxième école. École Kalenda Mudishi. Tala école oui. Kalenda Mudishi, awa. Awa ne sika, Félix Antoine Tshisekedi Atanga. Fachi Atanga awa, kordo au salle de classe, ya président. Hein? Au salle de classe, place président Atanga. Awa bazako tala, awa koti, tala sika président Atanga. Nanya kazalai ko eba ete moto Atanga, ya mokuse mabundi. Soki akoka ki, koko ma président. Montoti andimaki ba molo molaka mwana moko boye ayaka tala le loi comme président. Félix Tshisekedi atanga awa. Atanga na classe oyo awa tozali na école Kalenda Mudishi. Awa mumuni babimisi kaye ya babenga ngondi répertoire. Bana nyonso batanga na école oyo bakoma na mangi zali na kaye oyo. Ah, bazali ko luka. Basi ba moni kombo ya année scolaire ko monite 1982-1983. Donc ekolo yo tango Fachi azui pouvoir. Akuta ki yango na situation oyo. Kasi lelo na 2022-23 otozali ko loba na janvier bota la image ya ndenge ekolo oyo ezali ko koma. Grâce il y a l'instruction Mokonzi Mboka ba moyen bimaki na nzela FPI
Tala école oyo ndenge ekomi awa DGF pe ya ki ko visiter pona ko se rendre compte na boni boni misale ezali ko tambola pamba te promesse ya mokonzi ya mboka na peuple esengeli se réaliser zo forme po bato ba continue ko garder estime pe respect na mokonzi ya mboka. Kaka na dossier ya ba infrastructure na Kasai. Na lingi bola kisangai video ya hôpital de la Mouya, c'est ça? Hôpital de la Mouya, voilà. Hôpital général de référence de la Mouya. Hôpital Oyo, na 2019. Tango Fatché a su pouvoir, akuta ki yango dans ces conditions. Ba mur, fissuré. Ah, bozo mona, eza soki pe li a consultation. Salle d'op na bango koutou kolobate. C'est dans ces conditions que les gens venaient se faire soigner dans l'hôpital général de référence de la Mouya. Talambetu. Il y a hospitalisation et c'est qu'à Bato Bazalaki. Quand on dit qu'on a soin, ah oui, Zalaki soit malade 4, au biki na 4, mais 2, qui s'habille, va garder au lissous. Tout ce que l'on a dit, on a lissous, on a changé l'hôpital. On a dit malade 6, mais on a dit qu'on a 8. Ah oui. Dans l'hôpital général de la Mouya, tous allés en Kasai. Kasi Lelo, 2023, Oyo, Botala Nenge, hôpital de la Mouya est commis déjà à FPI. Pour vérifier et pour contrôler, boni boni, ma travaux est allé au Salema. Na Kati, hôpital général de la Mouya, Awa, dans les tout prochains jours. Et qu'on a là un centre médical ultra moderne avec tout le matériel ODG Zali sur place. Et Tikalika Kaba monté peut lancer opérationnalisation et à l'hôpital Oyo pour la permettre à Bandeko Oyo Bazali na Kasai. Ma bénéficier de soins de santé. N'est-ce a initié un programme de soins de santé universel et permettre à Congolais de bénéficier d'un local là-bas à Kinshasa. Le kola baoba kana Lubumbashi kisangani Goma Bukavu bandekope ya Kasai bazana droit à la vie. Wana de 2019 à 2023. Je parle des infrastructures de base. Éducation, on appuie à la gratuité. Soins de santé, c'est du social. Bravo na bandeko ya FPI toliki ete mokolo hôpital oyo kozala remis officiellement na maboko ya ba gestionnaire. Routine de la biseau peut image pour nous permettre la biseau de relayer peuple Ayo Kasango. Kasi, voilà 4 ans. 2019, 24 janvier 2023. Il était une fois Joseph Kabila Kabange cédait pacifiquement le pouvoir à son frère, son compatriote Félix Antoine Tshisekedi. 4 ans après, que retenir? Que retenir 4 ans après? Que retenir de cette passation pacifique du pouvoir? Nalingi Lelo n'a s'adressé exceptionnellement qu'à un acteur politique. La passation pacifique et civilisée, il y a pouvoir, Oyoto Viva qui le 24 janvier 2019, et Sengeliez à la rééditer. Et Sengeliez à la consolider. Et Sengeliez à la dupliquer. Kasipo na yango. Bino ba acteur politique Bozali na un très grand rôle à jouer. 4 ans après la passation pacifique du pouvoir, les acteurs politiques, qu'est-ce que vous avez fait de cet acquis? Dans votre mode de gestion, dans votre façon de communiquer à votre base, dans la gestion de vos partis politiques et de vos ressources humaines, na katse ba parti politique nabino. 4 ans après, qu'est-ce que vous avez fait de cet acte symbolique? Na katse Afrique noire, président Moko a sali ici élection, mais élection auquel il n'a pas été candidat. Président Mosusu, Akoti, pe président Yakala. Azali ko vivre normalement. Président a sikapé. A benga kaya na téléphone. Ba solo la kaba pesa la kaba joyeux anniversaire.
basse consultaka, basse lolaka ba échangeaka, pour le bien-être de la nation. 4 ans après, vous les acteurs politiques, vous avez la lourde responsabilité de travailler pour que de consolider passation pacifique, il y a pouvoir, de consolider démocratie, peut-être koto kolisa yango, pour que lobby, d'abord vous l'avez ali koya, mokolo fachi, akoti kape pouvoir, à ça la même cérémonie na moto a ko remplacé ye, a expliqué ye awa, talanenge na zalaki, awa ezali bureau ya eloko hotel, awa ezali bureau ya eloko hotel, awa ezali bureau ya eloko hotel. Nous avons le devoir patriotique, vous et nous, il y a qu'on consolider la démocratie, puis qu'on dupliquer le modèle où il y a passation pacifique du pouvoir. Nabandi Boyoki. Dernier dossier, Nabiso, il y a Tongo et Alelo. Papa, pensez-vous bâtiment il y a DGI. Ça, c'est le bâtiment de la Direction Générale des Impôts. Vous voyez bien tes devoirs civiques. Et c'est un abysso de foutre en paco. Pambate mboka mokote et ton amakaso qui impôt. Sous toutes ses formes. Et ça, qu'on foutre en maté. Tout ça, il y a devoir et obligation. Il y a qu'on respecte. Mibé qu'on y a mboka. Chaque jour qui passe, nous sensibilisons pour la corruption ça n'a peuple et ba futa kampa ko pone kolé tongama les mosales ali ko salama la preuve les lots DGI azali ko maximiser ba recette na ye pe ko sala dépassement ya ba assignation budgétaire oyo ba senga ki en fonction ya ba prévision budgétaire ya mboka ya loi de finances mosalama la mona DGI grâce peine à dynamisme, il y a déjeuné, monsieur Moukadi, Barnabé, hein, c'est ça? Barnabé Moukadi, hein, cordon? Voilà. Monsieur le directeur général de la DGI, naïe na tongo ya lelo, koebi sa na yo ete, mosala na yo ezali ki toko. Peuple, azako yo kasango, ba législateur baza koyoka na caisse ya l'état boni boni DGI azali kokot sa misolo ozali ko dépasser même ba assignation budgétaire na yo maximisation des recettes mon salam alamu bravo monsieur le DGI kasi soki ofongoli misute papa DGI ba effort nyonso za ko sala e ko tombe à l'eau e ko kene mai. Po na kati ya mampinga na yo, na kati ya ba brigade na yo, na kati ya bato na yo ba kenda kana terrain, po na ko kontrole ba sujeti, po na ko ya ko salisa ba redressement, bato ba bela kama ba baza na kati, bato ya lepre, baza na DGI, ba jana yo ebele, ba zali ko ya ko sala ba redressement na ba société privée, ba kutaki, commission mousso se tope mission mousso se le kaki avant bango. Basi basala ki mousala. Bango baye. Ba annule nyon soyo ba collègue basala ki avant. Ba lobi. Et talibi sote. O ezab malana biso. Na maele na bango ya mabe. Baza kouzo ba ordre de mission. Ba tiki kopi. Kasi na sima ba komi numéro a téléphone ya chef de mission. Pobo benga yena téléphone. Makambo baza kouzo na ba sujeti na ba téléphone. Batebele babenga babisinga yi capitaine. Yonde capitaine na bango. Yebi sa DGI a DGI. Toza ko enregistre. Bato na yo atinda kana terrain. Na mikolomizali ko yawa soki ba audio ebimi. Papa DGI ko za la scandale. Tango ba kopesa yango ba media. Biso to kabata songi songi. Nga songi na zina ko lekisa. Yango na zali ko senga na yo monsieur le DGI. Mosala malamu zali ko sala. Tala ba ajana oba kitaka na terrain. Ça la rappelle à l'ordre. Yebisa na bango sango ya makamboza ko sala na terrain. Et comme li biso na matoi. Nenge comme li yo papa DGI. Yeba ke comme li pe mokonzi amboka. Parce que c'est l'homme le mieux informé du pays. DGI. DGI. DGI na bengi binomba la misatu.
Boyo ki sa DG na bino sonite. Monsala za ko sala, ezo monana. Kasi bino na terrain, botika makambo boza ko sala. Na boyi ko loba ke boza miibi. Na lobi bongo te. Me na lobi nde bo keba. Ba audio na bino ezali, na zu deja 4 à 5 plaintes. Ba to baza ko enregistre ba agent, ya DG ibisika bazali koleka. Ma promettre nga ba kotinde langai, soki na zanango, dès que komi na koti ango na TV. Papa, Moukadi, na liki ete message nanga e komi, rappele bato na yo a l'ordre na terrain, po ba yo ki sa yo sonite. Li lala moko, e polisaka, kitunga ya malale ebele. As-tu commenté ici? Tout mon ami lobby, avec le même plaisir et pour d'autres nouveaux sujets. Au revoir et à demain.